N'en déplaise à certains parents, la Commission scolaire de Vancouver va de l'avant avec son projet de munir toutes ses écoles de l'Internet sans fil. Une mesure qui inquiète à cause des effets potentiels sur la santé des ondes sans fil. Le débat rappelle celui qui a eu lieu il y a 3 ans au sein du Conseil scolaire francophone. Benoît Ferradini. D'un côté, il y a les professionnels de l'éducation. Pour eux, l'Internet sans fil, c'est un outil qui va permettre aux enfants de mieux apprendre avec l'aide, par exemple, des tablettes intelligentes. De l'autre, on trouve certains parents et scientifiques inquiets des effets du sans-fil sur la santé des enfants. Mais le fédéral a tranché. Pour l'instant, il n'y a pas de risque prouvé pour la santé. Fin de la discussion. D'ici juin, la commission scolaire de Vancouver veut dépenser plus $1 million pour équiper ses 110 écoles. We're going to keep tuned in to what people have to say and any new developments, but we're moving full speed ahead to make sure that our kids can succeed and use technology as tools for learning. On va écouter ce que les gens ont à nous dire, explique Mike Lombardi, mais le projet est lancé. En face de lui, les parents ne démordent pas. Ils sentent qu'ils n'ont pas été consultés et disent que le feu vert de Santé Canada ne veut rien dire. We don't know what the long-term effect will be because we haven't looked at a generation of people who have had long-term exposure. On ne connaît pas les effets du sans-fil sur la santé, dit-elle, parce qu'on n'a pas étudié ses effets sur le long terme. Plus tôt cette année, l'Organisation mondiale de la santé a classé les ondes émises par les systèmes d'Internet sans fil comme potentiellement cancérigènes. Cela rejoint des études récentes sur les effets cancérigènes des téléphones cellulaires utilisés dans certaines conditions. Mais concernant l'Internet sans fil, beaucoup d'études ne montrent pas d'effets néfastes pour l'instant. Et c'est sur ces études que se base la commission scolaire de Vancouver. Du côté francophone, les écoles du CSF sont passées au sans-fil il y a longtemps. En 2008, nous avions suivi un groupe de parents d'élèves francophones inquiets pour la santé de leurs enfants. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins actifs. Et les autres parents, la majorité, ils ont Wi-Fi dans la maison. Alors, si que tu dis que le Wi-Fi n'est pas bon pour la santé, ça ne marche pas. Puis, il y a aussi des parents qui ne croient pas. Difficile d'avoir une opinion éclairée sur le sujet alors que l'Internet sans fil est partout, à la maison, comme au travail. S'il y a vraiment un effet néfaste sur la santé, c'est dans plusieurs années qu'on le remarquera. Benoît Ferradini, Radio-Canada, Vancouver.